Toto? Toto? Le petit déjeuner est prêt. Toto! Toto, tu es prêt? On est en retard. Toto, tu en es où? Je t'ai réveillé il y a une demi-heure. Toto? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Toto! Non mais ça va pas, je me suis fait un sang d'encre. Tu dois être à l'école dans 20 minutes. Tu n'es même pas habillé, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Allez, on fonce! À l'école? Encore? Mais j'y suis déjà allé hier. L'école, c'est tous les jours, mon chéri. Allez, et débarrasse-toi de ce ballon. Mais il ne m'embarrasse pas du tout. On peut dire que t'as le chic pour me stresser dès le réveil, papa. Alors vraiment, Toto, tu ne sais pas quel roi rendait la justice sous un chêne? Pourquoi sous un chêne? Il n'avait pas de maison. Toto, tu ne sais pas ta leçon une fois de plus. Dis-moi au moins quelque chose que tout le monde sait. Quel roi était appelé roi soleil? Moi, je sais pas. Mais à propos de soleil, on serait mieux dehors par un temps pareil. Toto, dernière chance. Dis-moi qui était la femme de Louis XVI. Facile, Madame XVI. Bon, ça suffit, Toto. Tu seras convoqué chez Madame Péchoton, la directrice. Et avec ton père. Alors là, franchement, je sais très bien où est le bureau de Madame Péchoton. Je peux y aller tout seul. Mademoiselle Jolibois interrogera Toto lundi sur les principaux rois de France. Je compte sur vous pour le faire réviser ce week-end. Il faut qu'il sache sa leçon. Ça en fera au moins une dans l'année. Ah, oui, ce week-end, oui, évidemment, oui. Réviser ce week-end? Mais moi, j'avais prévu de... Hé, Toto! Lundi, je te colle la honte au foot. Voilà, c'est ça que j'avais prévu. M'entraîner au foot dans le jardin de Fabrice et maman. Sinon, ça va être la honte lundi. Toto, je suis désolé, mais il y a plus grave que d'avoir la honte au foot. Si tu ne sais pas ta leçon lundi, tu auras la honte à l'école. Oui, mais ça sert à rien, je suis habituée. J'ai toujours la honte à l'école. Toto, c'est quoi ce boucan? Je t'ai dit de faire ton sac. Et pas ton sac de sport. Non. Toto, combien de fois je devrais te dire que ta chambre n'est pas une surface de réparation? Je sais, elle est beaucoup trop petite. Ce ballon est confisqué pour le week-end. Mais qu'est-ce que je vais faire chez maman sans ballon? Réviser. Mais pour réviser, faut avoir appris d'abord. J'ai rien à réviser, moi. Papa, tu sais, hein, si j'avais mon ballon, ça me donnerait du courage pour réviser. Ton ballon, il est bien caché. Et tu l'auras si tu connais tous les rois de France par cœur. C'est pas juste. Il y a plein de rois de France et je n'ai qu'un seul ballon. Papa! Papa, j'ai besoin de faire pipi. C'est urgent. C'est pas vrai. Bon, fais vite. Et n'oublie pas de refermer la porte. Faire pipi, ça prend normalement quoi? 3 minutes. J'ai donc 3 minutes chrono pour retrouver mon ballon. Faire pipi, ça prend normalement quoi? 2 minutes. Dans 2 minutes, j'y vais. Burk. Mission capitale de l'agent Toto 000. Retrouver le ballon d'or du gang du foot. Voilà. Les recoins les plus dangereux ne font pas reculer l'agent Toto. Pas ici non plus. Il reste le bureau. Taïo! 2 minutes. J'y vais. Mission réussie! Oh? Où es-tu? Toto, on peut savoir ce que tu fais dans mon bureau? Tu voudrais que je révise sans stylo-bi? Heureusement que je pense à tout, moi. Allez, en voiture, bonhomme. Toto, tu ne traînes pas dans la voiture. Viens. Voilà ce que c'est de mettre des livres dans un cartable. Ça prend toute la place. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, ma petite chérie, comment ça va? Oh, tu es toute mignonne, hein? Papa t'a mis ton beau costume. Maman! Mon Toto! Oh, s'il te plaît, maman, je peux jouer au foot cet après-midi? Oh, dis oui, maman, dis oui, j'en ai tellement envie. Quoi? Toto, non, 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 non et non. Ne te laisse pas embobiner, Sylvie. Toto doit connaître tous les rois de France sur le bout des doigts pour lundi, sinon c'est la cata. Je compte sur toi. Ah bon? Tu comptes sur moi? Mais pourquoi c'est toujours moi qui fais réviser les leçons? Tu peux pas t'y mettre un peu, toi? Si, mais c'est que j'ai des trucs à faire. Je dois repartir, j'ai du travail. Allez, papa! Madame Péchoton a dit qu'elle comptait sur toi, pas sur maman. Reste, s'il te plaît, pour une fois. Bon, d'accord. Mais t'as intérêt à apprendre vite. Pas juste. Pourquoi c'est toujours le week-end qu'on révise pour les interros du lundi? Mon chéri, tu voudrais réviser quand? La nuit? Bah oui, la nuit ce serait parfait. Comme on dort, on se rendrait compte de rien. Écoute, Toto, ce n'est pourtant pas compliqué de se souvenir de quelques rois importants. Saint Louis et son chêne, François Ier et la bataille de Marignan, Henri IV et sa poule au pot. Moi je connais Toto Ier. J'ai eu la fève quand on a tiré les rois à l'école. On m'a donné une couronne. Oh là 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 là. Mais Toto, tu sais quand même ce que c'est qu'un roi. Enfin, je veux dire un vrai roi, c'est... C'est le papa du prince. Oui, bravo Toto, on s'en doute. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi... C'est le papa de la princesse. Oui Toto, évidemment, c'est... Arrête un peu de faire ton bébé. Et puis, c'est le papa de la princesse, sauf s'il n'a pas de fille. S'il n'a pas de fille, c'est pas grave. Le prince épouse une fille et... Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Oui, mais ce n'est pas tout. C'est pas... Toto, arrête de jouer avec ces rideaux. Oui, papa. Mais alors, si le prince épouse une fille, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, moi, ça... Ah si, une princesse. Exact, maman, une princesse. Bravo, 10 sur 10. Eh bien voilà, on y est arrivé. Oh, mais non, c'est pas du tout ça le sujet, Toto. Oh, tu fais dire n'importe quoi, hein. Sors ton cahier, on va prendre des notes. Mais c'est pas la peine, tu as bon. Toto. D'accord. Alors Toto, ça vient ce cahier? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Il y a trop de livres, voilà ce qu'il y a. T'as des livres ronds? Le ballon. Pour rien, c'est les livres qui ont tout cassé. Les ballons, ça fait jamais de mal. Salut Fabrice. Tu vois, je révise mon histoire de roi de France. Ah oui, c'est bien Toto, mais il paraît que tu as encore fait des tiennes. Moi? C'est mes livres, ils font que des bêtises. Je sors mon cahier et voilà. Écoute Toto, ta maman et ton papa sont un peu fâchés contre toi. Mais je suis sûr que si tu révises bien ton histoire, enfin, je veux dire, si tu ne la révises pas à l'envers, tout peut encore s'arranger. Bah oui, mais pour ça, il faudrait que je révise mon histoire. Bah et alors? C'est pas si compliqué tout de même. Non, mais bon, la semaine je vais à l'école, le week-end je révise. C'est quand que je m'amuse? Quand je serai vieux comme toi? Mais non. Dès que tu sauras ta leçon, tu pourras jouer. Tiens, on jouera ensemble même si tu veux. Ouais! Et si on jouait d'abord, ce serait pas mieux? Ok, on joue 5 minutes et on s'y met. Non, non, on joue 5 heures. Arrête Toto, on joue 10 minutes. 4h30. 15 minutes. 600 heures. 20 minutes. D'accord. 1000 minutes et 2 heures. Stop. Tu dis n'importe quoi, Toto. 30 minutes, c'est mon dernier mot. D'accord. Top là. Ouais. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Il est ici pour réviser. On ne va pas se mettre à jouer au foot. Surtout que moi, je dois rentrer. Mais il a promis de réviser après. N'est-ce pas, Toto? Franchement, Jérôme, 30 minutes de foot contre tous les rois de France réunis, c'est très honnête. Et puis s'il révise comme il l'a promis, on y aura tous gagné, c'est pas cher payé. C'est vrai ça, papa. 30 minutes, c'est vite passé. Sois raisonnable. Tu crois tout même pas que tu vas... Ah,
pipon. Hop là. Je sens des jeunes. Oh, Toto. Ça va? Tu n'as rien? Alors, Jérôme, après Henri IV? Je vous jure, mademoiselle, que hier soir, il le savait. Monsieur, vous avez voulu faire l'interrogation à la place de Toto parce que c'est votre faute s'il n'a pas pu réviser. C'est très gentil, mais il ne faudrait pas qu'il ait une mauvaise note à cause de vous. Alors, après Henri IV? J'ai oublié, madame. C'est qu'il y en a eu tellement des rois de France.